Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, semble criminel, nouvelle révélation sur la convocation de Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a affirmé ne jamais avoir reçu de convocation pour comparaître le 16 mai devant une chambre criminelle à Dakar pour son procès contre Hadji Sarr, son ex-masseuse. Cependant, selon RFM, Sonko a bel et bien reçu sa titre. Pour toujours, Massali massacre Sonko, l'homme aux 1164 mensonges. Avec 1164 mensonges, Sonko devient le plus grand mythomane de l'histoire politique du Sénégal. Ousmane Sonko ne ment pas seulement, il a cette capacité rare à inventer toute pièce, une situation pour servir son propos. Il est le mythomane, le voici scénariste. Le prix du meilleur menteur en politique devrait être décerné à Ousmane Sonko pour tous les mensonges qu'il a répétés en boucle depuis des années. À terme, nous avons recensé 1164 mensonges, manipulations, actes de tortuosité, dit Massali. Pour toujours, Kaolack, un nouveau cadre de concertation prêt à booster Bernon, un nouveau cadre de concertation et d'action des partis, mouvements et sympathisants alliés à la majorité présidentielle derrière le directeur général de la CNLEC. Moussé Pape-Mademba Biteye voit le jour pour booster le Ben Bokyakar à Kaolack. Pour toujours, Gayo invite Macky à renoncer à tout projet de troisième mandat. Le chef de l'État campe sur sa position de ni oui ni non concernant sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Cette situation de clair-obscur n'est pas soutenue par tous ses collaborateurs. D'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères et président du mouvement politique citoyen demande au président Macky Sall de sortir par la grande porte. Sertigan Gadio était l'invité du jury de dimanche sur Irejo. Pour toujours, le président Macky Sall à Lagos ce lundi sur l'invitation de Moussie Aliko Dangote, président de Dangote Industries. Le président de la République Macky Sall participera à l'inauguration de la raffinerie Dangote prévue le 22 mai 2023 à Lagos. Pour toujours, Lamb Frank Baforza en 40 secondes et préserve son invincibilité dans l'arène. Frank, écrit Jambar Academy, a bâti Forza, écrit face dimanche à l'arène nationale. Il lui aurait suffi moins d'une minute pour venir au bout de son adversaire. Après une brève bagarre, Frank privilégie la lutte pure en se saisissant de son adversaire pour lui imposer sa force et le terrasser. Pour toujours, Coupe du Monde U20, la Colombie renverse l'Israël 2-1 et occupe provisoirement la tête du groupe C. La Colombie et l'Israël se sont frottés quelques heures avant la première sortie du Sénégal dans cette phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans à l'occasion de la première journée du groupe C, un duel remporté par les Cafeteros 2-1. Pour toujours, Mondial U20, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a mal commencé sa participation à la Coupe du Monde en Argentine. Les champions d'Afrique ont été battus par le Japon 0-1. Ainsi, les joueurs de Malick Diaf ne peuvent plus se permettre de commettre des erreurs lors de leur prochain match contre Israël, qui a également perdu son premier match. Pour toujours, CAN U17, 4 joueurs sénégalais dans le 11 type. 4 joueurs sénégalais, Serigne Diouf, Abdou Aziz Fall, Serigne Fallou Diouf et Amara Diouf sont dans le 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 17 ans remportée par les Lyonceaux vendredi à Alger. Cette situation a été établie dimanche par la Confédération africaine de football CAF 2 jours après la fin de la compétition remportée par le Sénégal 2-1 aux dépens du Maroc. Pour toujours, Lorient Bambadjian blessé et sorti en larmes contre Lens, pas le dimanche souhaité pour Bambadjian. L'attaquant sénégalais est blessé lors de la rencontre Lorient-Lens cet après-midi. Inquiétude pour Serge Ahmadou Bambadjian, entré en jeu face au RC Lens ce dimanche. L'attaquant sénégalais n'a malheureusement pu finir cette rencontre avec le FC Lorient. La cause, il est sorti blessé 10 minutes après son entrée sur la pelouse, visiblement touché à la cheville. L'ancien passionné
fonctionnaire de Diambar a même quitté le terrain en larmes. Tafa Actu, le 22 mai 2023. L'honneur et la vertu, quand elle est vraie, n'ont point de prix aux yeux de ceux qui ont le bonheur de les posséder. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde.